Et voilà, donc toujours à dos de Chocobo. Voilà, donc il veut se servir de la magie de terrain. Ça, c'est le thème de terrain. Sortir du chocobo, mais c'est pas conseillé. Voilà, on peut bouger là, comme vous voulez. Comme vous voyez, il faut aller au sud ici. En plus, ça, le chocobo s'enfuit. Donc, alors maintenant, je vais vous expliquer quelques trucs. Normalement, lui, est-ce qu'on peut voir ce truc en fait? Non. Donc c'est peut-être derrière. Non, pas vrai. Voilà. Donc ça c'est les outils d'Edgar. Donc ça, voilà, ça brûle tout le monde, vous avez vu. Ça je sais plus ce que c'est. Et ça s'empoisonne tout le monde. Voilà. Bon, lui il vole et elle magie. Enfin pour l'instant ils ont que ça, mais ils auront d'autres trucs plus tard. Sinon vous imaginez que le gameplay est pas génial si c'était que ça. Là voilà. J'adore, il dit à l'est en sortant de la grotte, c'est pour vous indiquer. Voilà. Donc là on doit se taper la grotte. Pour voilà, pour aller à Figaro au sud, la ville. Alors, je sais pas ce que c'est parce que moi j'ai une autre version. Les noms n'étaient pas les mêmes. Ok. Parce que là en fait ils avaient gardé les noms en anglais dans l'autre version que j'avais. Et c'était pas alcool bizarrement, même si ça s'écrit pareil normalement. Enfin, presque. Donc, vous voyez Edgar très très utile au début du jeu. Enfin après aussi, mais là c'est quand même le plus puissant de tous quoi. Déjà je crois que son niveau est supérieur aux autres. Ouais.
qu'à utiliser les vitamines au début. De toute façon, il y en a sur quasiment tous les ennemis à voler. Hein. Ouais, les rencontres sont assez fréquentes. Hein. Trop d'ailleurs, je trouve. Mais... on peut aller à gauche pour prendre un objet, mais bon. Ah oui, je vous l'ai peut-être pas dit. Il faut pas prendre les objets dans les grottes au début. Pourquoi? Ben, je peux pas trop vous spoiler, je peux juste vous dire qu'on retourne à la grotte plus tard. Enfin, on retourne aux grottes après. Et les objets seront plus puissants. Donc faut pas prendre les. Surtout les objets de la grotte au tout début. Hein. Tout début du jeu. Là où on avait les deux. Les deux gars avec les armures Magitech avec nous. Voilà, figure au sud. Donc là, vous voyez un mec là, à droite là. La rame. Là, il passe là. Je le suis là un peu. Voilà, il va dans le café. Donc faut vous rappeler de lui. Alors là, vous allez voir les reliques. Ah, ça c'est marrant ça. Le coup excessif, il va trop vite, il s'explose la gueule comme un con. Non, c'est con. Les reliques, après il y a des reliques cachées spécifiques à certains persos, donc là le truc indispensable c'est les baskets. Déjà on le met à n'importe qui et après on peut courir. Voilà, ça on peut plus se faire ténèbres aveugles, poison, c'est ténèbres pétrifiées, mais ça c'est pour se foutre devant les membres qu'on presque au plus de HP, donc je verrai plus tard. Pour l'instant, je sais pas ce que je vais prendre en fait. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc là, on va commencer déjà à mettre la relique à n'importe qui, on s'en fout, c'est pas grave. Hein. Voilà, on court automatiquement, en plus, même pas besoin d'appuyer sur les touches. Hein. Ouais, y a même des gens qui dorment dans les lits. Vous voyez, les villes sont assez tristes. Et là, vous entendez le thème. Le gars que j'ai suivi au début, c'est son thème. C'est lui, Shadow. Et il est hyper putain de bordel, l'enculé de... d'important pour l'histoire. Vous imaginez même pas à quel point. Vous allez voir, il y a beaucoup de persos dans ce FF. J'adore cette expression. Ils parlent pas, ils sont chiens. Bon, voilà, il veut parler à personne. C'est le gars tourmenté qui veut pas qu'on lui parle, etc. Voilà, mais il est important, hein. fallait venir là. Ça, faut se rappeler de ça aussi. Ça fait pas partie de l'histoire principale, mais c'est utile, faut s'en rappeler pour plus tard. Il rapporte du cidre, il faut venir ici pour prendre du cidre plus tard. Vous l'aurez par vous-même.
parler. Hein. Donc là, ouais, bon, on voit d'ailleurs le gars qui allait mettre le cidre là. Là, vous le voyez là, c'est lui. Il prend du cidre et il l'apporte à l'homme, je sais plus où. Enfin, je vais pas le suivre, je trouverai. Donc là, je gardais mon fric tout à l'heure pour ça. Donc là, dans ce FF, on voit si ça augmente ou pas. Hein. Acheter deux trucs comme ça et lui il a mis tout pour lui. Toujours pareil, optimal pour qu'ils y prennent le meilleur truc. Voilà. Ça, on garde. Voilà, on a un super équipement maintenant. Voilà, ça se fait. Ça, c'est important, le mot col, ça aussi. On va y aller juste après cette ville. Donc oui, je voulais vous dire, hein, faire passer un message aussi. Je sais que j'arrête pas de refaire des RPG à chaque fois sans finir les autres. Mais vous inquiétez pas, j'arrête là, hein, pour l'instant. Hein. J'en ferai pas plus de 3 à la fois. Enfin, Golden Sun, je veux toujours pas l'enregistrer. Hein. C'est pas pour tout de suite, à mon avis. Alors... Voilà. On trouve aussi des trucs en des tonneaux comme avant. Ce que vous avez compris, c'est-à-dire qu'il y a un passage secret ici d'ailleurs. Voilà, faut pas se faire la bibliothèque. Et on voit un passage ici. Donc faut se rappeler de ce passage aussi qui sera utile après. Bon, on peut sauvegarder, vous verrez pourquoi. Hein. Là j'avoue que c'est pas utile, mais c'est après pour l'histoire. Je prends le coffre maintenant, j'aurais pas le prendre plus tard. Tic tac. Ah, il ne fait pas tic tac, ok. Donc ça, on s'en fout. Enfin, il y a un truc avec une horloge dans le jeu, mais... Je verrai pas tout de suite. Alors, ça c'est fait. Donc en fait, ça sert à rien d'aller là pour l'instant. Hein. C'est pour plus tard, je vous le dis. C'est juste pour vous montrer un peu. Là on peut acheter un chocobo aussi. Parce
ce que je ne vais pas faire. Alors, il faut un peu fouiller partout, parler un peu au vent. Voilà. Sabine, hein, pas Sabine comme le perso, le frère d'Edgar. Voilà, donc ici on en a fini. Et maintenant il faut sortir. Si je me trompe pas, parce que je me rappelle qu'il y a un truc à faire ici avec le cidre et ça. Je sais plus si c'est maintenant ou plus tard en fait. Voilà, vous voyez le gars qui avait le cidre ici. Je sais pas si c'est maintenant ou pas qu'il faut le faire en fait. On peut pas le prendre encore, non. Ah bah je sais pas alors. Ça doit pas être pour maintenant. Bon. De toute façon on va se quitter ici. Et la prochaine vidéo ça sera le Mont Colt. Dégage le cidrier. Alors tiens, c'est quoi ça déjà? Bazar. Ah oui d'accord, c'est là où ils vendent tous les trucs hein. Donc voilà, c'était la 4e vidéo de FF6. Ici et bien sûr ils sont résistants parce que le roi a l'air. Donc allez, salut.